Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce mardi 3 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée pour ce mardi 3 septembre, organiser son temps libre. Nous courons tous après le temps. Et nous nous plaignons tous d'en manquer. Alors qui n'a jamais dit « si j'avais une demi-heure de libre, eh bien je ferais un peu de gym tous les jours. Je bosse trop et je ne me consacre pas assez à mes enfants. Ou encore, je n'ai pas une minute à moi pour lire, alors que j'adore ça. » Or, eh bien, tout le monde peut s'octroyer des moments pour se consacrer à ce qui lui tient à cœur. Le manque de temps, eh bien, est souvent la conséquence d'un défaut d'organisation ou d'une mauvaise utilisation de nos loisirs. On voudrait faire de la gym? Que fait-on devant la télévision? On souhaite s'occuper davantage de ses enfants? Pourquoi s'attarder au bureau alors que l'on n'a plus rien à y faire? S'interroger sur la façon dont on gaspille son temps libre est souvent riche d'enseignements sur nous-mêmes. Belle pensée, n'est-ce pas, du matin? Ça laisse à réfléchir. La carte de la forêt de Gaïa, la libellule, magnifique insecte, la libellule, c'est un symbole de légèreté et d'insouciance, parce que la libellule, elle est légère, elle s'adapte aux changements et elle saisit les opportunités de se transformer. Les libellules vivent à la fois dans l'eau et dans l'air, en s'accommodant des difficultés rencontrées durant leur existence. Il pourrait s'agir d'harmonie, de clarté, de transformation, de joie, de légèreté. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de traverser une période de profond changement intérieur, ce qui nécessite adaptation et ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Dans ces événements, la libellule vous incite à vivre les événements avec légèreté. Ayez confiance. Ayez confiance car une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer, apportant ainsi avec elle ces opportunités de croissance et de renouvellement. La question que vous vous êtes posée aujourd'hui est oui. Oui, vous êtes encouragée à suivre votre intuition et à faire confiance à votre guidance intérieure pour avancer sur votre chemin. Et cette libellule, n'est-ce pas? Elle vous encourage, elle vous encourage à cultiver des relations harmonieuses et équilibrées en accordant une attention toute particulière à la communication et à l'empathie. Elle vous dit aussi de faire attention à ce qui se passe autour de vous, afin de bien saisir les opportunités qui se présenteront à vous et d'apprécier pleinement chaque instant. Voilà la guidance de ce jour avec cette belle libellule. Encore une fois, n'est-ce pas, ça parlera
à certains et ça parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre en vous. Le petit message de l'oracle des anges gardiens, action. Ben oui, voilà, libellule, action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton petit cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait, eh bien, te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter, n'est-ce pas, si ce n'est tes propres peurs. Cette carte, eh bien, est la confirmation que le Créateur et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Quel beau message qui correspond, n'est-ce pas, avec la libellule. Voilà, suivez votre intuition et faites-vous confiance. Il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous, donc saisissez-les. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. À demain.